Your former life was in a bliss of ignorance, until you've awakened to the darkness waiting on the doorstep of our fragile dimension. Something terrible left its eons-old slumber, and the reality, as we knew it, collapsed. The city of Arkham was pulled to somewhere not of this world, and its residents are in the shadows of true terror. As a survivor of this catastrophe, you should investigate the strange occurrences in the city and survive the rising darkness, physically and mentally, if possible. Bonjour à tous, c'est Eva. Aujourd'hui, on va partir à la découverte de Stygian. C'est un RPG au design un petit peu particulier. Dans l'univers de Lovecraft, là, on peut voir Cthulhu notamment, pour ceux qui connaissent. Donc, ça va être une complète découverte. J'y ai pas joué, donc on va voir ça. Alors, il y a des personnages tout près. D'accord. Homme, femme. Soldat. Interprète. Criminel. Universitaire. Quitteur. Explorateur. Société secrète. Ouais. Chez les hommes, c'est un peu pareil. Ou alors on crée un nouveau personnage. On va peut-être regarder là. Sélectionner le sexe. Je suis dans quoi là? Créer un nouveau personnage, ok. Oui, ok. On va mettre une fille. Alors, âge. Les personnages adultes ont un équilibre en aptitudes physiques et expérience de vie. Commence le jeu avec les valeurs par défaut dans les poules d'attributs et de compétences. Ouais, et puis là, les personnages jeunes sont à leur apogée physique mais n'ont pas l'expérience des personnages plus âgés. Commence le jeu avec un point bonus soit en physique, alors soit en agilité. Soit en sens, mais une pénalité de 2 points de compétence en moins. Et les personnages matures sont en déclin physique, mais ont acquis plus d'expérience de vie que les personnages plus jeunes. Commence le jeu avec pénalité, soit en physique, agilité ou sens, mais est récompensé en 2 points de compétence supplémentaires. Bah, on va se mettre au milieu, on verra bien, parce que pour l'instant on connaît pas. Donc en âge adulte, là, c'est les valeurs par défaut d'attributs et de compétences. Archétype. Alors, on a universitaire. Je crois que j'ai pas dit, mais je... Le jeu, il doit être à une 20aine d'euros. Je fais la vidéo un petit peu en retard par rapport à la sortie. Mais bon, je pense qu'il faudra en faire plusieurs. Parce qu'à mon avis, pour voir pas mal de choses, il en faut plusieurs. Alors, donc, archétype universitaire. Ce personnage était chercheur à l'université de Miskatonic. Envoyé dans une expédition lointaine dans un pays étranger, il ne fut pas averti que le destin attendait patiemment sous les eaux glacées. Les compétences médecine, psychologie et sciences peuvent être améliorées au niveau maximum. Bon, ça devrait être un peu un score minimum de 6 dans esprit. Plutôt dans scientifique. Soigneur peut-être.
On a des sous, on va dire des sous-attributs possibles. Par défaut, il n'a rien de particulier. Psychiatre, il a plus en psychologie, mais moins en défense surnaturelle. Médecin, plus en médecine, moins en attaque de mêlée et moins en attaque à distance. Et chercheur, moins en défense physique, mais recherche scientifique et médicale plus rapide. Ok. Un soldat, arme à feu, mêlée et survie. J'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'il a? Capitaine, c'est par défaut. Videur, plus un en mêlée. Bon, je vais pas faire tout le détail. Marin, commence avec la capacité visée. Ok. Occultiste, société secrète. Alchimiste. Magnétiseur. D'accord. Interprète. C'est un acteur. Acteur de cinéma. C'est que sa pile plus élevée, c'est pour plaire. Je pense pour papeter. Explorateur, aventurier. Ok, éclaireur. Alpiniste. Aventurier, il me plaît bien. Enquêteur, détective. Ouais, chasseur de primes. Personnage, il faut être absolument un personnage matérialiste. D'accord. Un criminel. Un aristocrate. Ben, qu'est-ce qu'on va choisir? Explorateur, aventurier. Arme à feu et survie. Il y a rien. Chasseur de gros gibier. Augmentation des dégâts sur les ennemis bestiaux. Par point en attaque de mêlée. Bon. Il y a plus en arme à feu, on va partir là-dessus, non? Hop, croyance. Une plus grande santé mentale peut être obtenue en sélectionnant des choix de dialogue humaniste et en commettant des actes altruistes. Alors, matérialiste, plus grande santé mentale Non, la santé mentale supplémentaire peut être obtenue en faisant des choix de dialogue nihiliste. Résistance mentale plus élevée, d'accord. Divin.
culte divin. Bon, on va peut-être prendre le truc humain classique du coup, parce que notre chasseur là, il a l'air d'être un peu classique. Alors, qu'est-ce qui pourrait ressembler à un chasseur là-dedans? Là, ça fait un peu explorateur. On va lui mettre un nom. Bon, on va faire Eva Hunt, tout con. Voilà. Répartition des stats. Alors, forcément, il y a déjà 6 en agilité. Il faut en mettre 7. On va lui mettre plus en physique. Ça augmente compétences occultes et survie, d'accord. Arme à feu, il m'en faut pas mal. Ok. Sans souci. On dit ça. Il reste encore un. Allez, en sens. Son esprit. Ok. Alors, ici, 5. On va être arme à feu. Mêlée. Survie, athlétisme, furtivité ou du crochetage. Allez, on va mettre pour pouvoir faire du crochetage. Ok, nanana. Ça devrait être bon. Réaction muse. Alors, santé 56, santé mentale 45, points d'action 8, réaction 12, valeur de furtivité 7, attaque de mêlée 8, bonus de dégâts de mêlée 1 sur 1, attaque à distance 8, lancer 9. Portée de lancer 6, sorcellerie 5, succès critique 5%, échec critique 5%. Ouais, c'est 50-50, on dirait. Défense physique 8, défense surnaturelle 5, résistance aux dégâts 1, résistance mentale. Pour faire résistance mentale, il faudrait mettre un point en esprit ou en psychologie. Alors, si j'en enlève un là, quelque chose en esprit. Ça me fait pas monter. Faudrait que j'en mette un aussi là, peut-être. Ouais. Bon. Ouais. Ben, on verra pour la suite. Si on peut mettre un peu de résistance mentale, parce que dans tout bon univers de Lovecraft, il faut de la résistance mentale, je pense. Tac, 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 tac.
Ok. Alors, ce personnage est un chasseur, est un aventurier professionnel. En explorant le continent noir, il a rencontré une ancienne tribu. Ce qu'il considère comme une simple superstition tribale reviendra le hanter. Les compétences, athlétisme, armes à feu et survie peuvent être améliorées au niveau maximum. Score minimum de 6 en agilité. Bon, ça c'est le résumé quand même. Détermine le niveau des sorts que les personnages peuvent tenter de lancer et la puissance du résultat magique du personnage affecté par l'attribut volonté et la compétence occulte. Bon, occulte, j'ai rien du tout. Ok. Alors, s'aventurer dans grenier. Magazine d'Arkham. Bon, moi, on est déjà dans l'ambiance. Alors, une année. Voilà, ça va trop vite. Déjà, le parti pris du design, ça nous met bien dans l'univers là. De l'époque et tout. Parce que si je me souviens, les œuvres de Lovecraft, c'était dans les années 1800 quelque chose, 30-40, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je pense qu'on aura des compagnons qu'on pourra prendre avec nous là sur les côtés. Personnage, inventaire, grimoire, furtivité, journal, carte et les options. Puis là, on voit le journal mis à jour. Ok. Si je clique, d'accord. On va prendre la lampe. Elle est dans l'inventaire. Présume. Ouais. On peut la mettre. D'accord. Inventaire, personnage. Expérience 0. Grimoire, on n'a rien pour l'instant. La carte. À Riverside, trouver l'homme lugubre. Ok, bah, celui qu'on voit ici. On va se verrouiller, on va retrouver une clé.
partie dehors. On va le suivre. Hein. Oula. Espèce de zombies qui apparaissent. D'accord, ils dansent. Il est passé où le... Il est là. Ben, ça dégénère leur danse là, ils se battent. C'était un rêve. Oh, il y a un chien maintenant. D'accord, ça commence. Santé mentale perdue. Alors, votre fidèle et affectueux compagnon Winston est peut-être la seule créature à n'être pas perturbée par la pagaille qui bouleverse Arkham. Si on ne tient pas compte du nombre et de l'intensité de ses grognements inquiétants, ni de ses féroces aboiements envers les choses visibles et invisibles. D'accord, petit Doberman là. Winston a toujours été un partenaire fidèle envers vous alors que vous couriez pour votre vie dans les jungles denses du Congo. Depuis lors, son aversion des êtres étranges et mystérieux n'a pas diminué. Il n'a même fait qu'augmenter. Oh, gentil chien, tu es debout de bonne heure comme d'habitude. Vous le caressez, vous l'ignorez. T'es vraiment une petite vermine, Winston. Descends, vous le poussez de côté. Bon, on va le caresser. Se sentant heureux et choyé, il tire joyeusement la langue pendant que vous jouez avec lui. Et finit par fouiner dans sa fourrure pour s'assurer qu'il n'y a pas de visiteurs indésirables. Eh ben bonjour les puces, quoi. Se sentant apprécié et valorisé, Winston remue joyeusement la queue. Fin du dialogue. Ok. Bon, ben voilà, ça va être notre compagnon. On a déjà recruté, on va dire. Ah, bah, cette fois-ci, on peut l'ouvrir. On va tout prendre, puis on va regarder ça. Alors, un bandage. Carnet vierge. Un certificat de compétence pour les gens qui travaillent dans les champs en Afrique. En tant que certification d'expertise sur la faune, cette licence est délivrée aux rangers et guide travaillant pour le club de safari Le Repère du Lion au Kenya. D'accord. Regardez. On va peut-être pouvoir s'habiller un peu mieux. Ouais, c'est déjà mieux. Fusil. Non, ça c'est le sac à dos. 9 sur 90. Je suppose que si on en chope un, on va agrandir. Recette de survie. Recette de cocktail Molotov. Plan recette de vin. On va étudier. Ok. Ok. C'est ce mieux là. Non. Personnage, non. Ok. On
revenir là. Quoi fabriquer? Alors, textile pour faire un... de l'alcool et de l'alcool, ok. Il va falloir qu'on en trouve alors. D'accord. Alors, de la bouffe. Oui. Chaque membre du groupe consomme une ration par jour. Ok. Ben, du coup, va falloir faire attention à la bouffe. Alors, de l'eau. Santé mentale 1, santé 1. Les bandages arrêtent le saignement des blessures. Alors, ça requis pour le repos en extérieur. Et ça consomme une unité de matériel de camping. Ça ressemble fortement à Pillar of Eternity, ce genre de choses-là. D'accord, on peut avoir deux armes différentes. Bon, on n'a pas de chapeau. Et ça, c'est des emplacements de runes, on dirait. Bon. Trouver l'homme lugubre. Inspecter l'entrée de l'université. Bon, on va descendre. On cherche l'entrée de l'université. Ah, il y a le chef. Vous voyez Marino, gérant et barman de la vieille anguille. Il est votre hôte depuis presque un an maintenant. En échange de votre dernière ressource, de vos dernières ressources, il a tendance à vous sucer jusqu'à la moelle chaque fois qu'il en a l'occasion. Ok. Bonjour, Cornuto, si on peut appeler cet interminable putain de crépuscule le matin. C'était quoi tout ce brouhaha à l'étage? De mauvais rêves? On pourrait dire ça, vous ne parvenez plus à distinguer le rêve de la réalité? Ça ne vous concerne en rien. Alors, on va rester vague, on pourrait dire ça. Pourquoi ne suis-je pas surprise? Je recommande de picoler avant d'aller au lit. Ça rend les choses beaucoup plus faciles. Comme vous êtes debout, parlons des clopes que vous me devez. Vous étiez trop ivre pour payer hier et vous m'avez dit de vous le rappeler plus tard. Vous vous souvenez? Je n'ai pas bu hier, Marino. Ce tour est un peu dépassé, Marino. Vraiment, est-ce que j'ai bu autant? Combien je vous dois? Je vais dire que je suis pas dupe. Mais je suis sûre que si ne faites-vous pas confiance à votre hôte, Cornuto, ou seriez-vous en ce moment si je ne vous avais pas... Je paie pour votre logement, aussi médiocre soit-il. Donnez, j'ai cru que c'était moi qui étais en train de donner. Marino, vous devez bien avoir encore un peu de conscience quelque part. Vous aurez toutes mes clopes bientôt, pourquoi tant de hâte? Ouais, on va dire qu'il abuse. Ça monte ma santé mentale, ok, c'est bien, parce que j'en avais perdu, c'est pas mal. Elle doit bien... être quelque part, mais j'ai du mal à la localiser, Cornuto. Heureusement, pour moi, je n'ai plus du tout besoin. Ok. Enfin, puisque vous êtes... Il manque un mot. Je pense qu'il voulait dire
puisque vous êtes là et que je prendrai probablement toutes vos clopes de toute façon, considérez ce verre comme un cadeau de la maison. Oh vraiment, merci pour votre générosité. Vous êtes vraiment un bon exemple de la bassesse humaine. Je ferais bien d'y aller. Ouais, et comme ça, il se dit que je vais être bourré et que je vais lui payer après. Ouais, je veux dire, je ferais bien d'y aller comme ça. Hop. Ouais, ils ont pas grand chose à dire, les autres. Et lui, là. Vous voyez un homme d'âge moyen, excentrique, totalement concentré sur le jeu de fléchettes auquel il joue seul. L'exaltation rayonne presque de cet homme étrange. Un petit jeu de cricket. Vous n'avez pas la chance de jouer comme le champion du monde tous les jours. Contre, pas comme. Il vous passe plusieurs de ses fléchettes. Qui êtes-vous ? Est-ce que je ne viens pas de vous le dire, je suis le champion de fléchettes du monde. On m'appelle aussi Herschel. Ah, je ressens à nouveau les signes. Un nouveau challenger arrive, un autre imbécile à vaincre. Est-ce vous ? Champion du monde, bien sûr, c'est une surprise. Vous avez une idée de ce qui s'est passé dans le reste du monde ? Toc toc, il y a quelqu'un ? Personne ? Et bon débarras, lance une fléchette. La terre n'était qu'un nid à problème de toute façon. Là, il n'y a qu'un seul champion, Herschel, le maître des fléchettes. Il lance une autre fléchette sur la cible. Cela fait de moi le champion du monde de fléchettes pour la partie maintenant. Est-ce qu'il y a un prix ? Un prix ? Rien ne peut approcher le frisson des fléchettes du tabac foutaise, mais sentir la texture de la tige dans votre main, la pointe en acier pénétrant sauvagement la planche, c'est inestimable. Et le prix ? Vous voulez des cigarettes ? Alors battez-moi, battez le champion et vous aurez plus de cigarettes que vous en avez rêvé. Vous voyez, j'ai été représentant commercial pour les cigarettes. Tom Rogers. Bon, j'ai bien l'impression que les clubs, c'est la monnaie. Avant que je ne trouve ma vraie nature et devienne le champion, damné soit les jours, soit des jours. Bon, la traduction, elle n'est pas top. Hein. Herschel, allez dans le Maine, allez à Boston. Herschel, Herschel, vos performances commerciales diminuent. Nous sommes déçus, Herschel. Je vois. Où sont-ils maintenant, bâtard insatisfait ? Il lance une fléchette. Le vieux Herschel est parti avec eux. Il lance une autre fléchette. Il ne reste plus que le champion. Une autre. Le champion. Bon, allez, on va jouer. Maintenant, vous parlez. Il commence à vous énoncer les règles du jeu avec un peu trop d'enthousiasme. Testez vos compétences dans un jeu de fléchettes avec Herschel. Pliez subrepticement, j'arrive pas à le dire, le bout des fléchettes d'Herschel pendant qu'il parle. Subrepticement, ça se dit ça ? Pendant qu'il parle, alors pour l'un c'est l'athlétisme qui entre en compte et pour l'autre subterfuge, je suppose que si on y arrive, on gagne des bonus dans l'un ou l'autre. Ça c'est vache, on va faire ça. XP obtenu en subterfuge. Alors, et si nous sommes à égalité, ce qui n'arrivera pas, bien sûr, le premier joueur à terminer toutes les manches sera le gagnant, compris. Je
Je vais vous montrer qui est le véritable maître. Là, il est pas content. Herschel a l'air d'être démuni, regardant ses yeux sans expression, vous avez l'impression que vous regardez droit dans les abysses. Il commence à parler lentement. Je n'ai pas triché, puis-je avoir mes clopes maintenant? Acceptez-le, Herschel, vous avez perdu. Ne soyez pas rabat-joie, j'ai gagné. À chaque répétition, son discours commence à être de moins en moins rationnel jusqu'à ce qu'il se transforme en un hurlement frénétique. C'est de la triche. Ah bah bravo! D'accord. XP obtenu dans le champion. Il a laissé tomber les clopes. Ok. Donc j'ai des clopes en plus. Ouais. Là. Si on en croit les étiquettes, les étagères semblent au premier abord être remplies de plusieurs alcools exotiques. Mais les bouteilles contiennent toutes le même torboyau bon marché que Marino achète à la mafia. Bah bravo. Appuyez sur F1 pour apprendre les contrôles. Surligner les objets du monde, items. Ok. Majuscule plus clic gauche pour jeter. Contrôle plus clic gauche, consommable rapide. Ah, d'accord. Ok, on verra ça tout à l'heure. Ouais, il est baraqué là-devant. Vous voyez un résident d'Arkham typique qui a l'air fatigué et décrépit. Il vous regarde avec inquiétude. Qu'est-ce qui est resté intact dans cette partie de la ville? Excusez-moi, j'aimerais vous demander quelque chose. Laissez-moi tranquille, madame. La vie est déjà assez dure. Ce sont tout un tas de questions stupides. Comment survit-on à Arkham? Entre la mafia et le culte, vous voulez dire? Aucune idée, parce que jusqu'à présent, quelqu'un d'autre s'est fait écraser à ma place. Enfin, je doute que ma chance ne dure encore très longtemps. Depuis le jour noir, j'ai cru que chaque jour serait mon dernier. Parlez-moi de la mafia. Il regarde dans tous les coins avec crainte. La mafia, c'est la loi. Qui gère la mafia? Waxface. J'ai entendu parler de lui. Je peux voir que vous ne serez pas d'une grande aide. Très bien, qui est-il? Comment a-t-il pris le pouvoir? Je vous en prie, changeons de sujet. Vous sentez l'anxiété de son? Ça, c'est? Ouais, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Vous sentez l'anxiété de son? Ça, c'est? Dites-moi qui est vraiment ce Waxface, ça suffit, je pars. Je l'ai fait fuir, d'accord. Lui là qui est en train de picoler, qu'est-ce qu'il dit? Euh...
qu'est-ce qui est resté intact dans cette ville? Pas grand-chose. Comme vous pouvez le voir, vous avez la maison de la vieille Anguille. J'en sors. Si vous avez envie de boire quelques verres et d'avoir un toit sur la tête. Et si vous voulez tout oublier, le temps d'une soirée, la pharmacie de Richter est tout indiquée pour ça. D'accord. Tout ira bien si vous restez loin de l'entrepôt de March. Et si je suis sûre que vous avez mieux à faire que de traîner près de l'hôtel du grand-père. Parlez-moi de la maison de la vieille Anguille. La vieille Anguille était déjà un endroit louche avant même le jour noir. Nous avons entendu dire que le propriétaire Marino avait des liens avec la mafia à l'ouest. Le bar est devenu un restaurant pendant la période de la Prohibition. Comme vous pouvez le deviner, tout ceci n'est plus nécessaire désormais. Vous pouvez louer un lit, ou disons plutôt un matelas sale dans le grenier si vous n'avez pas d'endroit où aller, et prendre un peu de moonshine au bar en dessous. Alors, puisque on voit là, apparemment, on va commencer par pas mal d'exploration, de dialogue pour voir ce qu'on va faire. Parlez-moi de la pharmacie de Richter, ce vieux salaud. De Richter gère la seule pharmacie restante à Arkham, mais ne vous y trompez pas, son business c'est autre chose que les médicaments, il revend de la drogue, d'accord? Richter produit des mélanges et bien sûr vend toutes sortes de drogues à quiconque est intéressé par une petite escapade loin de ce cauchemar. Il est précieux pour la mafia et il le sait. Il y a de vives rumeurs à son sujet depuis un certain temps déjà. Quel genre de rumeurs? Oh, des rumeurs selon laquelle il profite de sa clientèle habituelle et des trucs comme ça. Des choses affreuses. Parle-moi de cet entrepôt dont vous avez parlé. Je sais qu'il était tenu par la famille Marsh d'Innsmouth. Nous avons entendu dire que l'endroit était utilisé à des fins de contrebande et autres. Seuls les ghouls l'occupent à présent, des bêtes qui déchirent la chair de vos os. Quels sont les ghouls? Je ne l'avais jamais vu de mes propres yeux, mais j'ai vu ce qu'elles pouvaient faire aux gens. On raconte que ce sont des démons semblables à des chiens. Des parodies féroces des hommes, elles sortent de l'obscurité pour s'en prendre à nous. Vous pouvez entendre leurs hurlements angoissants à travers Arkham. Que savez-vous sur les marches? Pas grand-chose, je sais qu'ils sont la famille dirigeante d'Innsmouth, leur arrière-grand-père Obed, marche. Était une figure importante du passé de la ville, je pense, solitaire, des gens étranges, c'est Ismoussien. Je vois autre chose, si c'est votre dernier, parlez-moi du culte. Non, je sais pas ce que j'ai demandé, là j'ai raté le truc. Rien de plus que vous, j'imagine, nous avions tous vu les signes, n'est-ce pas? Les gens font les mêmes cauchemars, les disparitions mystérieuses, des familles entières massacrées. Nous l'avons vu venir, mais nous avons tous fermé les yeux. Le jour noir a commencé avec ce rugissement apocalyptique pénétrant profondément dans nos esprits. Le ciel fondant, les couleurs s'estompant, je ne me souviens de rien d'autre. Les larmes montent aux yeux. De son à quoi? Et je vous en prie, continuez. Ouais. Quand nous avons repris nos esprits, Arkham gisait sous un ciel extraterrestre, banni de notre maison pour toujours. Nous sommes seuls, tout seuls, dans ce purgatoire, laissé à la merci des tyrans et des déviants. Il éclate en sanglots. Seulement j'avais plus de clopes. Ouais, il veut plus me parler. Aucune personne censée ne vous verrait vivre dans un hangar pourrissant et poisseux, mais être suffisamment crédule pour acheter n'importe quel type de nourriture résultant de la pêche.
Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des clopes. On va tout prendre. D'autres trucs à prendre là? Non. Cette représentation imposante de l'indi dieu aîné est perchée sur la base nue d'une statue rayée. Bonjour madame. C'est quoi ce monument grotesque là-bas? Le culte l'a érigé à la place de l'ancienne statue de Lincoln. Il l'appelle l'autel du grand-père, satanée atrocité. Les cultistes viennent de l'autre côté de la rivière pour sacrifier des gens qui ont été marqués par la mafia. Offrande de sang au grand-père Cthulhu. Cthulhu? Même le nom me glace les sangs, le grand-père il l'appelle. Leur nouveau dieu qui s'est éveillé le jour noir avec ses frères, les grands anciens. Ben, voilà. Ça, c'est du Lovecraft. Les fanatiques du culte tortue, sacrifient et tuent en leur nom. Pourquoi cela ne me surprend-il pas? Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, parlez-moi du culte. Des fanatiques fous qui se sont consacrés à Cthulhu et aux autres anciens. Il règne sur les ruines du nord d'Arkham, de l'autre côté de la rivière Miskatonic. Oh, j'ai le hoquet, faut me faire peur. Le culte vient de la rivière pour trouver du sang neuf dans ses rangs ou de nouvelles victimes à sacrifier dans leur rite. Je ne sais pas ce qui est pire. Comment puis-je me rendre de l'autre côté de la rivière? Je ne le recommande pas. Il y a des choses qui se cachent dans l'eau. Seul le culte peut passer la rivière à volonté. Mais je ne sais pas comment. On voit leur bateau sur la Miskatonic. Tous peints en rouge, présage cramoisi du destin tragique. Autre chose? Bon, rien à dire. D'accord. Alors là, il fallait partir. Non, c'est pas là. La carte. Faut que je parte par là. Je suis par là. Et l'université, elle est là. On va aller voir là-bas. Allez. Arkham ne pouvait pas être plus éloigné des idéaux de Lady Liberty, avait autrefois représenté pour le citoyen américain moyen. Le coût du kérosène a considérablement augmenté depuis que l'éther noir a avalé le soleil. Oh, ça doit être le marchand. Des fusils plus anciens et retirés de la production peuplent ces étagères. À première vue, la plupart d'entre eux auraient besoin d'être sérieusement entretenus avant de pouvoir être utilisés. Les autres panneaux d'avertissement soulignant les règlements incontournables de la mafia, le non-respect de ces édits, entraîne une mort certaine, comme dans le cas de l'honnête Bill. C'est lui l'honnête cadavre, d'accord? Mystère non résolu. Ce jukebox Wurlitzer est en parfait état et peut jouer 24 chansons populaires, notamment Sweet Georgia Brown, Le Cheikh of Arabie, Stardust, entre autres, et seulement Arkham avait encore de l'électricité.
Cette section est réservée à divers vêtements et équipements de plein air. C'est le département le plus populaire après les armes et les produits alimentaires. Bon, il marche peut-être plus, mais on l'entend en tout cas. Grenade incendiaire. Efficace contre les ghouls. Porte-revue remplie exclusivement de contenu sexuel explicite et torride. Ah, le mélange d'empreintes digitales sur les couvertures indique que la plupart des clients parcourent les pages au moins une fois afin de satisfaire leur envie charnelle. Ok. Bon, le mec là, il dit rien. Il sourit. Et toi là? Derrière le bar se trouve un homme à l'air sévère qui paraît profondément satisfait, bien qu'il semble avoir la soixantaine, sa présence invoque respect et crainte. Dites, vous êtes ici pour acheter un truc ou juste pour me faire mon temps? Qui êtes-vous? Je m'appelle Joe Clémence et ce sera Monsieur Clémence pour vous. Mon chou, je ne devrais pas éveiller votre curiosité. Ancien bijoutier des Cortellini, actuellement foutu épicier d'Arkham. Cortellini, vous vivez dans une grotte, quoi? La famille qui règne sur Chicago, les barons de la pègre. Je vois. Bon, vous achetez ou je dois demander à Charlet de vous faire partir? Est-ce que Charlet est le gamin qui sourit? C'est le type qui peut vous cribler de plus de plomb que nécessaire pour construire un putain de bateau. Dégagez, vous n'allez rien acheter, vous êtes juste un putain de perte de temps pour moi. Mais si, je voudrais bien. C'est quoi la statue? Ah, vous vous dire l'honnête Billy mort, mais ils l'ont gardé pour faire un ornement, le transformant en statue. C'était le propriétaire de cet endroit, vous voyez, jusqu'à ce qu'il croise Waxface. D'accord. Vous pouvez imaginer comment ils ont fait. Ils lui ont versé de la cire bouillante, de la tête aux pieds. Vous auriez dû entendre les cris. Ça vous suffit? Vous voulez plus de détails? Parlez-moi de Waxface. Dites, vous êtes juste pour acheter un truc ou juste pour en faire besoin? Que pensez-vous d'un rabais? Que diriez-vous d'une bonne gifle de mon ami Shirley? Message reçu. Bon, j'achète, on va voir s'il y a quelque chose de. Ça m'a dit qu'il fallait un bout de tissu et de l'alcool. Bah oui. Les clopes est une nouvelle unité monétaire de cette réalité pestilentielle. Oh, j'en ai combien? 240? Sac à dos. Des chapeaux, des revolvers, une cagoule. Matériel de camping. Un grappin. Voilà, au chapeau, non, je prends. Qu'est-ce que je pourrais prendre?
Grappin, peut-être. Donc, on va rien prendre, on va se barrer. On reviendra s'il y a besoin. Prendre les clopes là. Qu'est-ce qu'il raconte lui? La créature misérable devant vous peut difficilement être décrite comme humaine. Elle porte des vêtements étranges, anachroniques, et a enveloppé son visage et ses mains dans des chiffons en lambeaux. Ses mouvements craintifs, confus, confirment en outre le statut de cette marginale malheureuse. La créature humanoïde parle toute seule d'un ton agité, guttural. Sa voix est comme une brise froide soufflant d'au-delà de la tombe. Pourquoi les dieux cruels m'ont-ils choisi pour leur abominable amusement? Au moment où elle vous voit, la créature pitoyable recule avec horreur. Attendez, je ne vous vois aucun mal, cours créature pathétique. Vous sentez la créature vous observer avec des yeux jaunes macabres à peine visibles derrière des chiffons sales. L'être étrange commence à parler d'un ton rugueux mais étrangement instruit. Le mal est la seule chose que votre espèce m'a fait, dire que je croyais stupidement que nous étions parents, laissez-moi tranquille. Bon, il s'éloigne. Ok. Alors, casse-toi. Bonjour, je m'appelle Eva Hunt. Bonjour, vous avez vécu par ici? Cela vous semble-t-il une bonne journée? Oh non, vous êtes un de ceux-là. Elle blêmit de peur. C'est fou furieux. Elle commence à s'éloigner en panique. Excusez-moi. Oh, elle se barre. C'est l'hôtel de la mafia. Alors, un homme pimpant d'une trentaine d'années se tient à la réception de l'hôtel délabré. De sa moustache soignée à son costume bien taillé, il montre une estime de soi difficile à obtenir de nos jours. Bonjour madame, dans des circonstances plus normales, je serais ravie de vous accueillir à l'hôtel Essex, l'un des établissements les plus prestigieux de la Nouvelle-Angleterre. Il fait une pause pour s'éclaircir la voix. Indépendamment du fait qu'il n'y a plus de Nouvelle-Angleterre. Malheureusement, je vois que vous n'êtes pas l'un des messieurs dames approuvés par Monsieur Wax. Je ne peux accueillir que des citoyens figurant sur la liste des clients. Comment puis-je être sur la liste? J'ai bien peur de ne pouvoir répondre à cette question, madame, car je ne sais pas. Il envoie une nouvelle liste de temps en temps et j'arrange les chambres, mais il s'éclaircit la voix. Les traits communs des clients semblent être une consommation excessive d'alcool, vandaliser la propriété de l'hôtel et tout autre type de combinaison de fautes, y compris le meurtre occasionnel d'autres clients, commettre un sacrifice rituel et ainsi de suite. Continuez. Étienne redresse son nœud papillon avant de continuer. Peut-être que vous souhaitez participer à de tels actes, madame. Je vois. Autre chose, malheureusement, je vois que vous n'êtes pas l'un des messieurs dames approuvés. Il recommence.
Puis-je vous demander votre nom? Il redresse son menton. Je suis Tienne Lafayette, le concierge de l'hôtel d'Essex. J'ai fièrement rempli ce devoir pendant plus de 15 ans. Une note de chagrin se glisse dans sa voix en disant ça. J'ai également dû assumer le rôle de gestionnaire après le décès malheureux de Monsieur Phillips et de réceptionniste. Nous sommes un peu en sous-effectif ces jours-ci, comme vous pouvez le voir. Qu'est-il arrivé au gérant précédent? Disons qu'il a choisi la route la plus courte pour sortir d'Arkham, madame. Mort aux rats avec Madame Phillips et les petits, je ne le recommande pas. Il y avait fait des mouvements circulaires autour de sa bouche, des bulles rouges sur leurs lèvres, comme un parfait mal mélangé. Je vois. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Vous semblez prendre votre boulot très au sérieux. Madame, savez-vous ce qui est pire qu'une ville vouée à l'extinction? Un concierge sans hôtel. L'Essex, c'est ma vie, et à moins qu'elle ne me jette d'elle-même, je n'ai pas l'intention d'abandonner mes responsabilités. Il semble que les clients approuvés ne soient pas spécialement respectueux de l'établissement. Regarde, Étienne, regarde ce qu'il était jadis, le grand hall avec une franche mélancolie dans les yeux. Nous avons connu des jours meilleurs, madame. Cet hôtel et moi, nous avons connu des jours meilleurs. Bon. Au revoir, alors. Peut-être pouvoir aller là, quand même. Il me laisse rentrer, quand même. Allez, d'accord. Il disparaissait maintenant. Oh. À mon avis, je vais provoquer une bagarre. D'accord. Cadavre desséché. Qui est mort en rampant sur le sol, semble avoir rendu son dernier souffle en essayant de défendre sa possession la plus précieuse. Box, c'est bien, oui. Bon. Mon crochetage n'a pas réussi. Entièrement recouvert de suie et de crasse, cette coiffeuse est victime de la décrépitude générale qui dérange les trains. Et là, on peut crocheter pas. Ah, bah voilà la clé. Hop. Mais c'est pas la clé pour ça. Et si, il y a que pour ça. Un col. Des clopes et une lame. On va regarder si on peut mettre le... On peut monter là, on va redescendre. On a rajouté quand même quelque chose. Ah mais non, les portes elles étaient verrouillées ou quoi?
On peut pas. Elle sert à rien, la clé. Alors, oh salut mon chou, envie de passer du bon temps, ne vous inquiétez pas, j'ai quelques atouts dans ma manche, rien que pour vous, je suis sûre que vous allez les adorer. Tous testés sur moi-même avec beaucoup de soin, qu'est-ce que vous dites? Ça dépend de quoi? Vous n'êtes pas ce que vous voyez, ça dépend de ce que ça va me coûter. 30 cloques pour un bon coup dans la ruelle, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça avec une dame et je suppose qu'on y prendra plaisir toutes les deux, pas vrai? Est-ce que j'oserais? Allez, compris, allons-y. Votre sueur sentimentale. Ah bah, c'était pas mal finalement, ça me fait monter la santé mentale. Votre sueur et votre terre se sont réunies dans l'une des ruelles désertes d'Arkham pendant un bref instant. Vous avez trouvé du réconfort dans la satisfaction de vos pulsions charnelles. Elle se tourne vers vous en retouchant son maquillage. À bientôt mon chou, maintenant vous savez que ça vaut le coup. Merci pour vos services. Ouais, mais bon. Ah, j'aurais dû l'interroger. Bon, bah, tant pis. La chair de cette femme, c'est du poison. Truc à prendre là. Hop, des clopes par-ci par-là. Qui se passe, tremblement de terre, le rôdeur d'en bas, c'était moins une. Vous voyez un homme débraillé portant des vêtements sales, en vous approchant la puanteur rance et éthylique de sa sueur vous irrite, les marques de seringue gonflées sur ses bras démontrent davantage l'étendue de sa dépendance. Alors que votre ombre tombe sur l'ivrogne maudit et massé, il rappelle les paupières comme s'il s'attendait à un visiteur. Gwen, c'est toi? Prends un moment pour se rendre compte que vous n'êtes pas la personne qui l'attendait. Oh zut! Mettant votre main sur son épaule, est-ce que tout va bien, l'ami? Couvrant votre nez, mon Dieu, quelle odeur infecte. Ouais, on va être gentil. Il hausse les épaules. Qu'il demande, le sergent instructeur, allez-vous faire foutre? Sergent, fascinant, est-ce que vous avez servi dans l'armée? Vous êtes quoi, un flic? La dernière fois que j'ai vérifié, la mafia a incendié la satanée commissariat de police. Il boit son moonshine et crache. Ils ne toléreront pas que vous fouiniez, madame. Pardonnez-moi de vous dire ça, mais vous n'avez pas l'air très bien. Très bien, alors allez pourrir dans le caniveau et vautrez-vous dans vos pathétiques habitudes. C'est mieux que de gaspiller ma salive pour rien. Allez harceler quelqu'un d'autre, partez immédiatement. Cool. Je suis déjà interrogée. Ok. Alors, le rôdeur. Il y a un truc par terre. On va le ramasser. Une clé portant le numéro 0. XP obtenu. Progression dans l'histoire.
pistolets artisanaux. Bien qu'il ressemble à une hippa vivante avec beaucoup de graisse dans ses cheveux crasseux, l'homme devant vous fait la publicité de sa marchandise, qui ressemble plus à des ordures pour vous de manière persistante avec une énergie inébranlable. Bienvenue dans la boutique des trésors cachés d'oncle Ratsak. Ne soyez pas timide, approchez-vous, j'ai tout ce qu'il vous faut. Vous appelez ça une boutique? Ok, voyons ce que vous avez. Et le meilleur, oh, vous n'aimez pas mes décorations, vous ne vous arrêtez pas à l'emballage, Boban. Les marchandises vendues dans une boutique en font. Il s'arrête un moment pour tousser. Une boutique. Et l'oncle Ratch sac a tout ce qu'il vous faut. Mais il n'y a que de la calmelotte ici. Regardez autour de vous, cet endroit est une déchetterie. Alors pourquoi ne pas vendre de la camelote? Vous voulez voir quelques-unes de mes gemmes cachées? J'ai des objets ici que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ok, voyons ce que vous avez. Ouais, il y a vraiment des trucs. Une batterie, du tissu. Ah, bah ça, il en fallait. Ça. Quoi ça? Conducteur, fil de cuir, bouteille vide. Poudre à canon. Des vis. Opium. Prouvette. Crochets, je vais les prendre aussi. Peut-être qu'il me fera ça pour rentrer à l'université. Je le prends pas. On se fera souvenir. Hop. Et bon là, c'est parti. Donc ben, on va peut-être arrêter là. Et puis après, apparemment, faut sortir. Pour aller à l'université. Parce que c'est ça. Hein. Déverrouiller le mystère de la clé portant le numéro 0. En entrée de l'université. Peut-être que je pourrais trouver quelqu'un pour me dire ce qu'est le. Lui là, il dit quoi? Il dit rien. Frappez à la porte. Vous entendez des pas approchant, une voix bruissante. L'éducation se fait entendre derrière la porte. Qui c'est? Le suivre, dégager et pas s'éloigner. Oui,
D'accord, on peut plus y retourner. J'aurais dû faire quoi? C'était le marchand de journaux? XP obtenu avec le lieu. On va prendre tout ça, peut toujours servir. Crachez le morceau. Que protégez-vous? Je ne protège pas la banque, sale bâtard. Je protège les rues contre les fous furieux à l'intérieur. Vous feriez bien de courir maintenant. Oui. Puis je vous posais quelques questions. Est-ce que j'ai l'air d'un putain de bureau d'information à vous faire voir avant que je ne vous en mette une? Eh ben. Quelle manière? Vous avez un problème avec mes manières? Oui, tout à fait. Et Josh, il est temps de s'amuser. Mais c'est moi qui frappe cette fois. Voilà, un combat. La lutte commence. Je sais pas si j'ai bien fait parce qu'on n'est pas très fort, mais bon. Ouais, ils sont quatre en plus. C'est moi qui commence. Alors, comment ça se passe le combat? Gratine. Ok. Ok. Et puis donc après. Défendre. On voit leur point de vie à eux. Il a raté. À mon tour. Mais je voudrais bien avoir leur point de vie.
Une nouvelle vague arrive. Il y en a encore deux autres qui se pointent. C'est quoi ça, ce truc? Ah, mais quand même. Critique. Corinne, ça m'énerve ça. On va pas y arriver. Ah, il m'aide. C'est bien ça. C'est un peu compliqué quand même. Ils sont barrés.
Par derrière. C'est pas mal, par derrière. Le combat, il est quand même pas... Je regarde quand même si... va se mettre en défense. Oui, oui, oui. Bah non, mais m'envoie pas de trucs dessus, toi. On va se défendre. J'ai plus de munitions. Rechargement. Oh non! Alors... Ouais, j'ai pas mis des trucs... C'est bien. Défendre. Alors, toi, ben, tu vas aller par l'arrière. Hop, ça va lui faire du mal. Parfait. En défense. Défense. Hop, ça y est, ils sont tous morts. Ok, ben voilà les combats. On voit pas de grand chose, à moins que je trouve dans les raccourcis, dans les combats, faudrait que je regarde de plus près. On a augmenté notre angoisse par contre. Plus d'expérience. Revenir. Faut les prendre avant. Ok, poursuivre. Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis, finalement, comme on a vu un combat, je vais peut-être pas refaire d'autres vidéos parce que je me disais qu'il fallait au moins avoir des combats. On verra. Vous avez qu'à mettre en commentaire si vous voulez une.
en voir une autre. Mais à la limite, vaut peut-être mieux pas trop spoil. Mais il est pas mal comme petit jeu. C'est pour l'univers. Bon, il y aurait peut-être des choses à améliorer au niveau des combats qui sont pas très clair-clair. Mais pour le reste, la traduction aussi, qui est pas top. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même pas trop mal. J'ai encore de la place dans mon inventaire. Ouais, il y en a encore pas mal. Toujours le journal. Tac. Voilà. Bon, bah sur ce, à bientôt.